Salut à tous, merci de rejoindre Fierté d'Afrique qui reçoit pour vous le professeur Francine Ntoumi, l'une des scientifiques africaines qui porte haut l'étendard de la recherche scientifique. Professeur Francine Ntoumi, bonjour. Bonjour, merci d'avoir Paolo. Accepté de nous recevoir malgré votre agenda très chargé. Vous êtes à Paris chez vous? Ben, on peut dire ça, oui. Vous avez longtemps vécu ici, j'ai envie de dire. Oui, j'ai fait toutes mes études ici, le baccalauréat et toutes les études universitaires aussi. Alors, on va refaire un peu votre histoire. Vous êtes né à Bakongo, c'est le deuxième arrondissement de Brazzaville. Vous quittez très tôt le pays pour venir faire vos études ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu cette épopée, on va dire ça comme ça? C'est un parcours tout à fait classique, hein. Baccalauréat ici, parce que bon, la situation au Congo devenait un petit peu difficile en matière d'éducation. Mais vous ne venez pas après le bac ? Avant le bac, pour justement être mieux préparé à avoir le bac français et continuer les études universitaires en France. Et donc je suis allée à l'université Pierre et Marie Curie où là j'ai fait sciences de la vie et jusqu'au doctorat en physiologie de la reproduction pour enfin attaquer les maladies infectieuses à l'Institut Pasteur. Voilà. D'accord, vous commencez donc votre carrière à l'Institut Pasteur, ensuite vous restez pas très longtemps puisque vous partez à Franceville, au Gabon. Pourquoi avoir fait ce choix? Ben parce qu'à ce moment, il y avait des problèmes au Congo, des problèmes sociopolitiques. Et donc, je n'avais pas le choix. Mon but, déjà... C'est-à-dire, on est en 97, exactement, c'est la guerre civile au Congo. 95, j'ai fini mon post-doctorat, 95-97, exactement. 97, je veux rentrer au Congo. Ce n'était pas possible. Et donc, je suis allée à côté, au Gabon, où... Là, j'ai pu travailler comme chercheur au centre de recherche sur les maladies infectieuses. Et quand vous quittez Libreville, vous repartez en Europe, mais vous vous posez plutôt en Allemagne ? Oui, parce que la vie est faite de rencontres. Et que donc, lorsque j'étais au Gabon, au CIRMF, au Centre international de recherche médicale de Franceville, j'ai appris, mais j'ai fait mes premières armes en recherche. J'ai monté mon premier groupe de recherche et donc j'ai eu de l'expérience et puis à un moment j'ai eu envie d'approfondir mes connaissances et le centre où j'étais ne pouvait plus m'apporter cela et c'est là où je suis revenue en Allemagne. Enfin, je suis revenue, non, je suis partie en Allemagne. Vous êtes partie en Allemagne. Qu'est-ce que vous faisiez en Allemagne? En Allemagne, c'était toujours sur le paludisme, puisque à partir de l'Institut Pasteur, je suis rentrée dans une thématique qui concernait le continent. Le paludisme tuait énormément plus qu'aujourd'hui, puisque le paludisme, le poids de cette maladie a baissé en 2020, mais... À cette époque, vraiment, toutes les secondes, un enfant mourait du paludisme, pratiquement. Et donc, je voulais apporter ma contribution. Et l'équipe allemande est l'une des meilleures dans le monde en matière de développement de médicaments, d'essais cliniques en particulier, d'antipaludiques. Et donc, j'ai voulu apprendre là, chez eux, comment faire des essais cliniques de différentes phases, quelles sont les contraintes, voilà. Et aussi continuer l'encadrement d'étudiants africains. Ça, c'était mon exigence, avoir des étudiants allemands, mais aussi des étudiants africains. Donc, vous avez appris effectivement énormément de choses en Allemagne. Vous décidez de rentrer à Brazzaville en 2008 pour... vous rentrez hein, bien avant, mais en 2008, vous décidez de lancer une fondation, la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale. Oui, alors là, oui, parce que mon parcours après l'Allemagne, je suis allée aux Pays-Bas, où là, j'étais dans le management, dans la gestion de la recherche. Et puis, de la haie, l'Afrique me manquait. J'ai beaucoup, beaucoup appris hein, à la haie. Mais
Je suis partie diriger l'initiative multilatérale sur le paludisme en Tanzanie, à Dar es Salaam, pendant 3 ans, où là, mon rôle était d'identifier les besoins de la recherche sur le paludisme du continent, trouver les bailleurs de fonds et financer cette recherche. Et après, on se dit, bon, qu'est-ce que j'apporte concrètement à mon pays ? Et donc là, je me suis dit qu'il fallait que moi-même, que je rentre, que je ne pouvais pas continuer à donner des leçons, à écrire des recommandations sur ce qu'il fallait faire en matière de recherche au Congo. Il fallait que je sois sur place moi-même et que j'apporte concrètement ma contribution. Alors, dans une interview à Jeune Afrique, vous dites je suis rentrée au Congo parce que ce ne sont pas des scientifiques allemands ou anglais qui vont construire mon pays à ma place. Absolument. Je suis sûre que je suis à ma place là-bas et je m'emploie à former sur place une génération de scientifiques. Exactement. Qu'est-ce que vous faites concrètement à Brazzaville ? Oh là là. Alors, à Brazzaville, la fondation a différents rôles. Un, l'infrastructure, nous avons un laboratoire de biologie moléculaire, laboratoire d'immunologie, un centre de recherche en fait, où là avec des laboratoires et des étudiants sont formés, il y a des scientifiques qui les encadrent. Le deuxième aspect, c'est la formation, l'aspect formation en soi, donc la formation diplômante, les étudiants de licence, master, doctorat, les personnels de santé, la formation continue des personnels de santé, donc ces formations. Le troisième aspect, c'est le plaidoyer pour un meilleur soutien à la recherche biomédicale, parce que malheureusement nos pays ne soutiennent pas la recherche en général et la recherche en santé en particulier, dont notre pays. Et le dernier aspect, c'est le retour à la population, donc les services rendus à la population. Et là, nous avons un centre de santé qui non seulement fait de la recherche clinique, mais aussi apporte des soins de qualité à prix. Enfin, pas battant toute concurrence, mais à prix complètement abordable pour la population. Accessible, en tout cas. Absolument pour la population la plus vulnérable du Congo. Et des soins de très très bonne qualité. Voilà. Donc c'est ce que nous faisons au quotidien. Vous ne prêchez pas pour votre chapelle ? Non, pas du tout, pas du tout. Alors, professeur, en 2016, vous avez lancé la campagne Les femmes et sciences pour inciter les jeunes filles à s'engager dans des carrières scientifiques. Mm-hmm. 4 ans après, quel en est le bilan ? Nous réalisons à quel point ce programme interpelle les gens, toutes les classes de la population, toutes catégories, et jeunes, vieux, tout le monde est sensible à ce programme. Je m'y attendais pas à ce point. Je m'y attendais pas, et là je réalise que le besoin était là, le besoin d'avoir des modèles. Les jeunes, les jeunes filles, les jeunes garçons ont besoin de modèles, vous en êtes un. Est-ce que cette campagne va s'étendre sur l'échelle du continent ou s'arrêtera au Congo ? Alors cette campagne va pour le moment se focaliser sur le Congo, mais la Fondation noue des relations avec des initiatives semblables dans les autres pays, la République démocratique du Congo, la Zambie, le Cameroun, le Sénégal. Donc il va être important maintenant de faire un réseautage extrêmement important. Travailler en synergie. Exactement, pour pouvoir justement avoir plus de poids et faire entendre mieux notre voix. Il y a Women in Africa qui est une initiative aussi très importante. Donc je crois que les femmes sont en train de se réveiller et de s'organiser. Donc dans les années à venir, je pense que le lobbying, le plaidoyer des femmes des femmes africaines va être visible. Voilà. Je vous propose qu'on se mette au chaud pour prendre un café ou un thé. Avec plaisir. Alors,
siégé au comité exécutif de la fondation Bill et Melissa Gates, du milliardaire Bill Gates qu'on ne présente plus. Qu'est-ce que vous faites concrètement au sein de cette fondation ? Alors, la fondation Bill et Melinda Gates est la fondation qui soutient le plus la santé globale, la santé dans le monde pour les plus vulnérables. Et donc, elle a différents départements. Elle soutient les vaccins Gavi, par exemple. Elle soutient la recherche de vaccins pour le paludisme, le vaccin rotavirus, des médicaments, les interventions. Elle soutient beaucoup de choses via différents départements. Mais monsieur et madame Gates ont besoin de conseils d'un petit groupe de scientifiques qui leur disent si leur la direction, leur vision est réaliste. Et donc je fais partie de ce petit groupe de scientifiques qui validons la direction. Et après, les départements, ils ont des présidents de différents départements, appliquent alors la stratégie qu'ils ont décidé de mettre en œuvre. Voilà, donc je suis conseillère donc au niveau santé globale de cette fondation. Vous êtes combien d'Africaines ? Africaine seule, africain 2, un Gambien, et puis donc de la Gambie, et puis moi. Voilà. Vous avez reçu beaucoup de distinctions, professeur, prix Gerhard Foster en Allemagne en 2015, le prix Kwame Nkrumah, je pense en 2012. En 2012, le prix Mérieux en 2016, et j'en oublie les meilleurs. Quand on a reçu des prix comme ça, on a envie de se dire quoi ? Il y a encore des choses à faire, ça va, j'ai un parcours assez élogieux, je m'arrête là, je continue, on se dit quoi ? Tant qu'il y aura, il n'y aura pas la masse critique de jeunes Congolais, pas de jeunes, de Congolais capables de résoudre les problèmes de santé du Congo, je ne serai pas satisfaite. Le problème, il est là. Les scientifiques doivent apporter les solutions aux autorités. Tant qu'on n'aura pas ce pool qui joue leur rôle, je ne pourrai pas être satisfaite. À titre personnel, c'est très intéressant, mais on ne fait pas de la science pour soi, on fait de la science pour les autres, justement, pour le monde. D'abord pour la communauté, ça peut être une petite communauté ou ça peut être le monde entier. Donc vous pensez bien, non, je serai satisfaite quand les scientifiques congolais répondront aux besoins de la population congolaise. Alors, répondre aux besoins de la population, c'est aussi être dans l'exécutif. Beaucoup de Congolais vous voient comme ministre de la recherche scientifique un jour. J'entends beaucoup de Congolais parler de ça. Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous pensez quand vous vous maquillez le matin ? Non, je ne pense pas être ministre en me maquillant le matin. Par contre, je peux penser en me disant, mon Dieu, quelle est réellement la vision de la recherche scientifique dans ce pays ? En me disant, comment puis-je mieux servir mon pays ? Parce que vous dites, ok, être ministre de la recherche, mais ok, c'est une position qui ne peut être qu'une position temporaire, donc on apporte son sens. C'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi, bien sûr que non. Par contre, la fondation que j'ai créée, elle a été créée pour répondre aux besoins de la population, donc pour rendre service à la population. Donc déjà, je suis au service de la population déjà. Donc ministre, c'est être au service à un autre niveau de la population. Le paludisme sera éradiqué un jour ? Je pense. Vous êtes optimiste puisque vous travaillez sur la question. Où vous en êtes d'ailleurs ? Je pense que oui, c'est possible, puisque ça a été éradiqué de beaucoup de pays, même en Afrique, en Afrique subsaharienne. On a vu à Zanzibar, l'île de Zanzibar. Au Sénégal, il y a beaucoup de zones où il n'y a plus de paludisme, mais c'est un effort continu. Donc c'est un effort soutenu et il faut que les autorités, tous les acteurs aillent dans la même direction. C'est possible s'il y a une bonne coordination, j'y crois, mais il faut qu'on y mette les moyens, que l'Afrique n'attende pas toujours que le Nord lui vienne en aide. Quand on aura pris conscience que c'est notre responsabilité, qu'on y met les moyens, oh oui, je
je pense qu'un jour cette maladie pourra être éradiquée ou au moins mise à un niveau où elle ne sera plus un problème de santé publique. Ça, c'est possible. Merci, avec... professeur. Merci d'avoir suivi cet entretien avec le professeur Francine Toumi. Vous aussi, travaillez dur pour monter au sommet, pour devenir une icône. Quoi qu'il arrive, n'oubliez pas qu'on ne construit pas une réussite forte sur des choix mous. À très vite sur Fierté d'Afrique.